Bonjour tout le monde, Bonjour. bonjour Monsieur Dumontier, Monsieur Bérard, Madame Adam et Madame Michaud. Merci d'être ici pour la deuxième rencontre. Alors, aujourd'hui, on va un peu parler des objets que vous avez apportés pour certains, si vous voulez en parler, ou j'aimerais ça qu'on aborde des sujets comme le docteur du village. Est-ce que vous vous souvenez des personnages? Des différents docteurs qui avaient au village, comment ils étaient, la personnalité qu'ils avaient, c'était des drôles de moineaux ou c'était oui. des bons gars? Chauveau! C'est le docteur Chauveau? Ouais. Le docteur Chauveau, oui. Moi, ça m'appelle Chauveau. C'est le docteur Landry. Le docteur Landry. Qui est au monde, le, à la maison. Le docteur Comtois. Chauveau. Oui, le docteur Landry, Landry, il était dans le temps, là. Ouais, mais moi, nous autres, c'était Chauveau. C'est à Landry. C'est lui qui m'a arraché la première dent. Mais ils ont arraché à frette. Mais ça fait. Non, mais ça fait des situations. Bon, OK. Pas tout le monde ensemble. Pas tout le monde ensemble. Commence. Monsieur Bérard, qui vous a mis au monde? Hein? Qui vous a mis au monde? C'est-tu un docteur? Alors, tu me demandes la question, il ne faut pas te répondre. Qui a mis au monde vos enfants? Le docteur de la province. Le docteur? Le docteur de la province. Surtout, l'hôpital n'est pas brossé à Louisville dans ce temps-là. C'était un des derniers qui était à l'hôpital. Les autres ont tous accouché à la maison. Il y en a un qui s'appelait, votre docteur. Votre docteur, quoi? Chauveau, Bertie, comme on va appeler. Il y avait Chauveau, c'était dans la main Chauveau. C'était pas elle qui me payait, c'était les Chauveau, on n'a pas entendu parler de ça. Puis le docteur Chauveau, c'est-tu un personnage, ça? Oui. Le docteur Chauveau, c'était. Pas de malade, on était pour moi, notre idée, c'est un très bon médecin. Mais ses manières étaient un peu rudes, peut-être. C'est dépassé, ça. S'il avait été vétérinaire, il se serait fait ruer tant. Oui, ça fait comme ses filles. Il a pas été vétérinaire, lui, là. Il a pas été Monsieur Bérard, quand il y a quelqu'un qui parle... Excusez-moi. Je suis pas encore sérieux pour la tuple. Je vais taper sur vos doigts. Bon, je m'excuse, vous étiez en train de dire quoi? Le docteur Chauveau. Ah oui, il y avait des manières. Mais avant lui, il y avait le docteur Landry. Ça, mais c'est un même, peu. Hein? Oui, ensemble un peu. Après ça, il y avait le docteur Comtois. Il y avait sa femme à Chauveau. Le docteur Comtois. Oui. Mais quand vous dites qu'il y avait des manières rudes, ça veut dire quoi, ça? Oh. Des fois, il disait des choses, là. Oui. Ça aurait pu être dit de façon. Un peu plus. Mais comme médecin, se lever la nuit, tout ça, là, garanti. Tu sais, il faisait. OK. C'était juste dans on, encore aujourd'hui, on rencontre des gens qui ont été soignés la nuit par lui. Aujourd'hui, tu as de faire lever un docteur la nuit. Oui, super. Essayez de le faire venir chez vous. Puis j'ai vu le docteur Landry, je crois que c'est Landry aussi. Le chemin de Saint-Jean, c'était pas ouvert. Hein. Il venait à la maison, mon père avec son cheval. Ouais. Puis il allait le mener, puis attendait que il fasse sa chose. C'est ça. Il le ramena. Tu sais, c'était. Il y a des chevaux. Le chemin, t'as pas ouvert aux autres. Il travaillait 24 heures sur 24, le médecin. Ben, dans le jour, il doit avoir des moments tranquilles, là, mais quand même. Puis, est-ce qu'il y avait des guérisseurs à Saint-Barthélemy? Oui. Non, pas à Saint-Barthélemy, mais à Masquinongé. Un guérisseur? Oui. Il faisait quoi? Une jambe cassée. Moi, j'avais été me faire soigner un genou. Mon frère, il s'était fait démancher une hanche une fois en faisant du ski. Puis il avait été, ouais. Je ne sais pas si on peut les nommer, ces gens-là. En tout cas, Delcourt. C'est un ramancheur, dans le fond. Oui, docteur, j'avais deux. Puis son remède, là, c'était. On n'avait pas confiance, puis malgré tout, ça disparaissait pareil. Tu sais, j'allais au collège, je m'étais fait faire mal, pas mal. Puis mon père s'est aperçu que je boitais. Il dit, tu restes pas demain. Fait que t'es allé à Masquinongé, le bonhomme se met à genoux devant toi, puis il replace le genou avec ses pouces de main, puis il dit, tu mettras de quoi la friction pendant un mois. On a fait ça. Ça s'est en allé. C'était-tu la confiance au remède, de quoi la friction. C'est
écoute, je sais pas. Puis ça s'est passé. Mais il avec ses pouces, oui. Il t'a arrangé. Ça marchait. Ça marchait. Puis il venait des gens des États-Unis rencontrer ces gens-là. Puis il n'y avait pas de plante, eux autres, ils raccommodaient avec des éclats de sel, puis un linge par-dessus. Et les dentistes, avez-vous connu ça? Ça chevaux. Moi, de Landry, quand on allait à l'école, là, on commençait, puis ça se faisait le dimanche après la messe. Oui. On venait ici, c'était qu'un cheval, fait que ça ne faisait pas des voyages pour rien. Non. On rentrait chez le docteur Landry, il nous mettait un mouchoir dans la bouche, puis il avait un spray, puis... Puis là, il disait, tu peux, mon petit bonhomme? C'est great, un peu. Il t'a lâché sa frette, mon petit bonhomme. Puis, j'étais quasiment à frette, il nous m'a gagné. Mais ça fait rien, ça se passe. La dent, il était plus grand. Mais... Vous, avez-vous une expérience avec le dentiste? Oui, mais non, chevaux, ça c'était le médecin. Ah, c'est de famille. OK. Ben, oui. C'est ah, lui qui arrachait les dents. Oui, comme lui, après la messe, on allait là. Si t'avais broyé toute la nuit du mal de dents, le lendemain, t'allais la faire arracher en maudit. Ouais. On s'assisait sur mon père, je me souviens, là, puis, hey, t'arrachais ça à frette, maudit, ça faisait mal. Non, mais il y avait un spray pour engourdir un peu. Il engourdissait, faut te dire vite. Bon, en tout cas, ça faisait mal. En maudit. Vous, elle est déjà allée? Oui, j'ai pris une vieille dent et je me suis fait arracher, oui, là. C'est lui, qui m'a, le docteur Landry, qui m'a arraché. Ma soeur, la deuxième de famille, elle restait chez moi, chez mes parents, là. Moi, j'avais 15 ans. Alors, couché, là. Puis c'est lui qui est venu. Puis c'était un dimanche avant midi, avant la messe, puis mon père avait assez peur, c'est la formée de garde-robe, il avait peur qu'on crie de quoi. Puis il avait, puis il a traité avant. Il s'est pris en trois fois, pas vu rien. C'est... Mais c'était un manouche. Mais l'autre, il avait assez peur, mon père, l'autre, il se renfermait. Pas vu qu'on est sans rien. Vous, M. Bérard, les dentistes, vous faire arracher des dents, ça vous est déjà arrivé? J'étais à l'hôpital, mon hospitalier. J'avais tous les chanciers collés après les dents. J'étais deux jours à l'hôpital. OK. Enfant, jeune... Jeune, j'avais peur de ça. À un moment donné, j'avais mal aux dents. Ça coûtait une pièce faire le chantant quand ça faisait arriver. Au moment de donner une pièce, si ça fait pas rire, tu viendras 50 cents. Faisais là, je te disais, ça ne fait pas rire. Ah ouais, pour 50 cents. On fait bien des fesses, quand même, il y a une messe, des cellules aujourd'hui, là. Mais un des frères de ma mère, il avait donné un don qu'un mendiant, il avait donné. Ça a fait passer le mal de dents. Mais il fallait qu'il y ait le fer à la chèvre. Si tu lui demandais, fais passer le mal de dents, le mal de dents s'en allait tout de suite. Puis un de mes frères, en tout cas, là, c'est justement dans le même temps, là. Il avait mal aux dents, mal aux dents. Demande-moi les. Il avait la tête, il n'avait pas confiance. Quand il s'est décidé de le demander, là, son mal dedans, c'est possible, mais il a quitté le fer à la chèvre. Il y avait des dons dans ce temps-là. Hein. Ouais, puis quand il est décédé, elle est partie avec son dos. Ouais, puis ceux qui ont bien la foi encore, qui m'aiment, ça part. Elle est partie avec. Est-ce qu'il y a des sorcières, est-ce qu'il y a eu des sorcières ou des personnages féminins marquants qui étaient comme en dehors des normes? La bonne femme qui avait au village, je me casse tout le monde qui l'appelait. Oui, c'est drôle. Je n'ai pas. Là-dessus, par exemple. Hein? On s'en fait raconter d'un gros mot, il y avait des exemples des fois, mais de là, vivre là, non. Il n'y a pas personne ben, de particulier. Il y a des excentriques, là. Je ne pense pas. C'est un petit village. Ouais, c'était comment l'ambiance dans le village avant l'arrivée des automobiles? Ben, pas avant l'arrivée des automobiles, mais quand il n'y en avait presque pas. C'est tellement mieux. Il va faire parler de temps en temps, pas de problème là-dessus. On a des volets en politique, là, ça. Oui. Ah oui, il y a des élections. Sur le parvis de l'église, il n'y a pas de chicane? Ah ouais. Non, mais le dimanche, il y avait la vente. Des clients, là.
Au lieu d'allumer un lampion, t'emportais un petit cochon, t'emportais une volaille, t'emportais un lapin. Puis tu donnais ça au curé? Tu donnais ça à l'encanteur, là. Il vendait. L'argent, ben, tournait. À l'église? À l'église. Ah, OK. Pour acheter des messes. Oui. Le type en question, il avait son habit... De policier. C'est ça. Quasiment un habit de policier, il avait. C'est un encanteur. En tout cas, il se faisait encanteur, ce journée-là. Mon Dieu, ça a duré longtemps, ça? Ah, ben, ça fait longtemps. Ça fait pas bien longtemps que ça se fait plus. Ça fait pas bien longtemps que ça se fait plus. Ah, bon. Intéressant, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ben, il me semble que ça a dû, dans... Il a crié... Promesse. Ça se faisait à promesse. Ils vendaient des choses, là, puis le profit allait à l'église. Il y avait un rang de tout surélevé, là. Quand ils n'étaient pas capables de payer leur dîme avec de l'argent, là, ils les apportaient du bourreau, puis ça fait là. Puis ils mettaient ça dans le sous-sol de l'église, là, sans le chauffage. Et les ouvriers. Je sais bien que mon père est n'importe quoi, mais il n'y a pas. Parlant de dîme, là, la dîme est obligatoire. Ah, mais c'est à cher de ce temps-là, la dîme. C'est à temps de ceux qui avaient bien des terres et tout, là. Ils payaient cher de dîme. Aujourd'hui, ils choisissent la dîme. Là, donc, il m'a 10 piastres d'une enveloppe, 20 piastres d'une enveloppe, c'est tout. Vous, M. Bérard, est-ce que vous avez payé ça, vos dîmes, quand vous aviez votre terre? Comment? Payer la dîme? Ah ouais. C'était combien? Ah, c'était pas la grandeur de terre que t'avais. Mais c'était les taxes municipales puis la dîme, ça fait... C'était deux. Manger à l'argent, faire vivre des enfants, 75 ans par terre de le bas, les années qu'on a pas de repas semaine. L'un de mes soeurs, j'ai été opéré pour la hanche, ça a coûté 1400 piastres. Mon père avait 1500 piastres emprunté d'un voisin à demande. Quand tu sais ça, les pauvres, ça vient demander de l'argent à mon père. Il va passer de... La maladie de sa fille. Ça fait. Parce que quand tu as fait le chemin à 40, là, ouais. On a eu un bon montant. Puis là, moi, j'étais rendu à 20 ans, moi, j'étais actif. C'est pas d'argent, ça marche pas. Quand ils ont passé la 40, ça a divisé vos terres en deux ou. Hein? Parce que là, ça fait en 1932, qu'est-ce que c'est? Ouais, vers les années 70. C'est ça. Ça a pris, ils l'ont fait comme en deux sections, hein. Ils ont fait la première section. Ouais, à Québec, ça a pris, c'est ça. Parce que... Ouais. Je battais, moi, j'avais une moissonneuse, puis je battais les terres de l'autre côté. Puis il y avait un vieux monsieur, Vitor Sylvestre. On appelait Joe Vitor. Puis il transportait le grain de Harold, un bon coup, j'ai dit, Harold, il faisait attention, ils vont le tuer. Le bonhomme, il regardait venir les machines, il avait sa charge de grain, puis il s'était dans le saut mouvant, tu sais. Puis lui, après qu'il voyait que son chemin était clair, là, il commençait à embrayer son tracteur, puis il ne trouvait pas à vitesse. Quand il a trouvé, il partait. Il y en était un qui s'était présenté, j'ai dit, au-delà de là, mais il va se faire tuer. Mais c'était des choses de même, tu sais. Avant la route... Le chemin du roi passait par le village. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça devait être épouvantable avant qu'ils construisent l'autoroute, le trafic. Oui, l'autoroute, ils l'ont construit vers la fin des années 30, début 40. Je sais. La 138. Oui. Ils ont commencé à construire en 39. Parce qu'on a des images de ça, qu'ils arrachent des arbres de Saint-Haut. OK, en 39, il y a eu quand même une déviation, mais l'autoroute est arrivée plus tard. Ah, l'autoroute, ça, c'est en 70, c'est la 40. Okay. Donc, ils ont sorti le trafic de Saint-Barthélemy avant. Okay. Oh non, ici, là, en dernier, ça va pas de sens. Ça allait beaucoup trop vite pour le
Le dessin du joint. C'est ça, c'est sinueux et étroit. Oui. Ouais. Mmh. Chez nous, il est arrivé des accidents souvent dans ce groupe là. Je me rappelle quand j'étais tout jeune, il y en avait qui s'était estropié. Filios Bérard était venu les chercher avec le docteur Tichou, Landry, puis Ulysse Laferrière. Il n'y avait pas d'ambulance. Les docteurs embarquaient les gens blessés dans leur auto, puis allaient dans la Liette. Il n'y avait pas d'hôpital à Louisville. C'était Joliette ou Trois-Rivières. Qu'est-ce que vous aviez dit, madame? Ah, elle a mangé. C'est ça, c'est pas grave. Je me suis même pas parlé de l'hôpital. Pour payer les choses, là, les gens n'avaient pas de banque, ni de carte, ni rien. Là. Ils avaient leur argent. Je sais qu'un bon coup à la maison, il y en a un qui s'était cassé le cou. Là. Puis il était dans la maison, chez nous, puis toute sa famille, tout le monde était blessé. Là. Il a dit à Filios, il dit l'argent, il dit aller dans l'aile du char, il dit sur un côté, là. Il dit t'as une porte. Tu roules ça, puis il y a de l'argent, là. Puis il est allé chercher de l'argent, puis il a tout payé le monde, là. Il n'y avait pas d'assurance pour les payer. C'est ça. Pas d'assurance. Direct. Ça, c'était pour se faire amener à l'hôpital? Ça, c'était pour se faire amener à l'hôpital, faire enlever l'auto. Ah, OK. Enfin, puis il avait donné quelque chose à mon père pour avoir tout gardé ça pendant un après-midi, là. Il y avait des serviettes sales. Si vous le dites, j'ai tous les livres de Saint-Barthélemy oui, depuis que la paroisse existe. Okay. Ça t'a bien bon, il n'en pas fait. Mais okay. Il y en a qui est relié, là, il a sur des pères, les sépultures, les mariages, puis tous les baptêmes depuis le début, jusqu'en 92. Okay. Mais là, on veut surtout parler de ce que vous non, avez vu. Non, mais tu sais, tu parlais, lui, là, le passé, là, c'est quand ils ont fêté le premier, le 150e. Après ça, le 175e de la paroisse. C'est deux livres à peu près. Okay. L'autre chose qu'on n'a pas parlé la dernière fois, c'est les veillées du samedi soir. Où est-ce que vous alliez veiller le samedi soir? Est-ce que vous alliez danser le samedi soir? Ou le vendredi soir? À Masquinongé, Chalcis de Ross. C'était là, toi? Non, pas non. Tellement. Non. C'était surtout nous autres dans la famille qui se. Ah. J'avais un groupe là qui s'appelait tout. D'une personne. Chacun son tour. D'une famille à l'autre. D'une famille à l'autre. Puis vous aviez des musiciens? Oui, ouais, la musique, c'était des affaires. Impeccable. Oui, des gramophones. Puis, ouais. Impeccable. Il y avait bien des gens aussi qui en savaient. Il y avait des gens qui en savaient. Surtout le piano, il y en a qui savaient du violon un peu. Quand même, c'est le son, des fois, ça faisait défaut. Ouais, ça marche pareil. On n'était pas. T'as pas regardé. On n'était pas chatouilleux, ça. Puis vous alliez à Masquinongé? Oui, chez Alcide Ross. Il y avait une salle de danse, il y avait un restaurant, une salle de danse. Puis c'était des 7 carrés dans le temps, là. Des 7 carrés et des plaines. Pas grand-chose, pour ça. De temps en temps, un tcha-tcha, faire de même. Moi, j'ai commencé en 1986, après que mon mari était décédé. J'ai lâché, sur ça tous les samedis, là, j'ai lâché en 2010. Là, je vais une fois de temps en temps, mais j'avais appris le social, en pas d'hommes, parce qu'il y avait plus de femmes qu'il y avait d'hommes. Puis, à tous les samedis, j'allais Masquinongé, Sainte-Béatrice, Sainte-Élisabeth, Betty, Sainte-Ursule, Saint-Alexis, Saint-Angèle. À tous les semaines, on fait okay. Ça. Okay. Ils nous tenaient tellement occupés pour de ça qu'on n'avait pas le temps de penser à faire des mauvais coups. moi, les jeunes, au début, je les voulais faire, là, puis s'ils étaient occupés, ça fait du travail pour eux autres, des mauvais coups. Ça fera moins, mais c'est sûr. Mais on comprend. Mais vous tenez occupé. Vous tenez occupé. Qu'est-ce que vous faisiez qui vous tenait occupé la ferme, le travail? Ben oui, tombe la pelouse, là, on n'avait pas de petit tracteur dans le temps. C'est à ça, là, ben non, le pousse-pousse. Le pousse-pousse à l'autre. Ah, mais.
Puis on n'entroyait pas grand chose, un petit rond autour du perron, là, puis pas trop grand. Le reste, t'as les chevaux, puis... C'est les bêtes qui s'occupaient du reste. Après ça, les sucres, c'était pareil, on faisait ça avec des chevaux, c'était tous les chevaux. Puis quand on avait un cheval qui était, comme on dit, un peu plus brillant que les autres, là, on le gardait tant qu'on pouvait, puis quand on le perdait, on avait de la peine quasiment comme du monde. Parce que ça coûtait quand même cher, un cheval. Oh, là, je ne peux pas te dire, là, plus. Parce que quand on... Ben, on est là, à tous les ans. L'argent avait un petit poulain, puis des fois, on en vendait un. Mais s'il y avait une malchance pendant l'année, des fois, il était obligé d'en racheter un autre. C'est, ça ne donnait pas toujours. Ouais. Aviez-vous des chevaux, vous, M. Bérard? Ben oui. C'est notre moyen d'occasion de transport pour ça là, pour les travaux, et aller à la messe avec un cheval. Puis vous aviez combien de chevaux? Chaque famille avait un, deux, trois? Ah, quatre. Et puis des fois, on avait un ou deux, on avait deux ans, on avait un petit poulet. Donc, ça prenait deux ans et demi, on va essayer de à travailler, quasiment trois ans. Ah, la vie d'aujourd'hui, depuis le sang là, là. Puis dompter ça. On était heureux, on ne connaissait pas d'autre chose. Ben non, c'est ça. Dompter ça. Dompter ça, un jeune cheval, là, c'était du sport, ça aussi. J'ai eu des affaires avec ça. C'est jour par nuit avec aujourd'hui. Mais c'est quoi dompter un petit cheval? C'est... Je sais qu'une fois, j'avais aidé à mon père, là, l'hiver, la première fois qu'il l'attelle, tu recules la slide dans la grange, tu l'attelles comme il faut. Puis de la porte fermée en avant. Là, un bon coup, tu rouvres la porte. C'est parce qu'en hiver, il y a de la neige. Si ça ne va pas, tu vas le tirer dans le banc de neige, il va modérer. Ouais. C'est à ça que tu as le sport. Ouais. Tu dis donner une demi-heure, là, il faisait le tour de la grange deux, trois fois, là, puis quand il commençait à suer un peu, là, ben là, OK. Avec la première leçon. Avec la carriole en arrière. On a fait un slit de ferme. Ah, OK. Juste quelque chose pour dire. Quand on l'éclate en grange, puis là, il ouvrait les portes de la grange, vas-y, mon oeil. Il ouvrait la porte. Des fois, il partait comme une bombe. D'autres fois, il grouillait pas. Il était comme les jeunes d'aujourd'hui. Il grouillait pas. Non, mais dans ce temps-là, il fait ouais, des clôtures, fait qu'il ne pouvait pas aller bien loin. Il roulait. Ah, ben oui. C'était du sport. Ça, les clôtures, c'était un gros travail aussi. Ah, toutes les fermes avaient leur clôture, puis jusqu'au bout de la terre, même des fois, ça servait rien que l'automne. Nous autres, ils en faisaient jusqu'à dans l'eau. Moi, j'ai vu, là, quand j'étais jeune, on allait tirer les vaches dans le nord. Qui appelait. L'automne, là, il y avait de l'herbe, les terres, vous avez vu. Les terres de la baie. Ça, c'était en bas de la 138. Mm-hmm. Fait que pendant un mois, ils descendaient les vaches de l'autre côté. Ah oui, on allait traire les vaches, là, soir et matin. Ça. On couchait dans une cabane. On avait des cabanes, là. Mm-hmm. Puis j'ai dû coucher 5-6 dans une affaire de 10 par 12, là, de deux étages. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que vous faisiez avec le lait? Vous aviez... Dans un bidon. Dans des canisses, là. Dans des canisses, OK. Puis, il y a quelqu'un qui a ramassé. Le matin, là, on traillait les vaches à noirceur. Puis des fois, il faisait assez frais. Il y avait de la glace sur notre eau pour se laver les mains. Puis là, il fallait que tu trouves tes bêtes. Mais ça, tes bêtes, ils étaient toujours ensemble. Oui, c'était ensemble. Puis on lui parlait, puis il nous répondait. Oui. Disons qu'il y avait l'autre bord. C'est à la commune. À la commune, oui. Soir et matin, elle prenait la chaloupe et elle retirait. Je sais qu'il y avait une dame de la vallée qui venait avec nous autres. Là, elle nous faisait dire le chapelet le soir avant de se coucher. Oh, ça, le chapelet, oui, c'est... Puis le matin, la prière du matin. Le matin. Ouais. Non, mais ça, on partait avant qu'elle se lève. Quand vous parlez de la commune, est-ce qu'il y a une commune à Saint-Barthélemy comme oui. Averti? Oui, c'est okay. ça, c'est la part des îles, oui. Ça, okay. descend ça descend jusqu'à Saint-Barthélemy. Okay. En face, c'est Madame, l'île Madame, l'île du Pau. C'est l'île du Pau, Saint-Barthélemy. Oui, c'est l'île du Pau. Puis aller chercher ses bêtes sur la commune à l'automne, c'est combien? Oui, ça, c'est ils allaient chercher, ils emmenaient, puis il y avait un chaland, dans le temps, un chaland, ils traversaient avec le chaland, puis...
Les moutons, pareil, il y avait des moutons. Ils traversaient les moutons de l'autre bord le printemps. Puis l'automne, ils allaient chercher les moutons. Puis ils amenaient les moutons. Mais ça, c'était pas trop, ça, les moutons, par exemple. Non, mais non, Dieu. Oui, ça courait. Ils ne passaient pas de nuit, par exemple. Ils l'emmenaient à les marchés pour s'ennuyer. Ben oui, ils marchaient. Puis ils ont mis des animaux. Le poulet, c'est à dire. Comment tu faisais pour reconnaître vos animaux? Je ne sais pas, il reconnaissait. Mon père, il reconnaissait. Quand ouais. Il plaça le printemps, il y avait un. Oui, il y a une petite affaire après l'oreille. Un tag, là, qu'il le mettait oui, dans après l'oreille. Et puis, c'était pas ça. Mais l'automne, des fois, il y en manquait parce qu'il y avait de la fraude. Oui, il y en avait quelques-uns. Il y a des gens qui allaient dans. Elle a fait boucherie. Ou, en tout cas, des bêtes qui pouvaient mourir aussi. Moi, oui, aussi, mais il y en avait, on y trouvait des carcasses. Puis, puis à l'époque, il n'y avait pas d'oie sauvage, d'oie blanche ou de... Non, c'était moins... Il n'y avait pas ça des oies blanches. Il y avait des outardes, mais pas d'oie blanche. Ah, il y avait des outardes? Oui, il y avait des outardes. Allez voir la chasse à l'outarde? Non, moi, ils n'ont jamais été. Elle est prohibée? Oui, non. Moi, mon mari n'a jamais été, mon père non plus, c'était pas un chasseur. Puis la pêche? C'est prohibé. La pêche non plus. C'est ça. Vous n'allez pas à la pêche? Jamais été à la pêche, il fallait bien être élevé au relou, hein? Ben nous autres en haut ici, il y avait des cours d'eau qui goûtaient à la terre, puis il coulait un peu d'eau, là, au, disons au mois de juin. Quand on sortait de l'école, on allait à la pêche. Mais la pêche. On ramassait des ménins puis des. Ouais. Une autre sorte de bebelles. Puis on allait mettre ça dans le top des vaches. Le père, quand il voyait ça, il faisait décoller ça. Les bêtes m'a pas lu. Non, c'est ça. Donc, vous n'aviez pas d'embarcation sur le lac Saint-Pierre? Oh, oui, on avait une chaloupe. Ah, vous aviez une chaloupe? Ben oui, une chaloupe, un petit moteur. Vous aviez un quai? Vous aviez un chaland? Oui, oui, un chaland, mais oui, il y avait un chaland. Puis qu'est-ce que vous alliez faire avec. Qu'est-ce que vous faisiez avec votre chaloupe sur le lac? Avec la chaloupe? Ben, il y a tirer les vaches l'autre bord. OK. Puis, Moi, mon père, il allait allumer les fanaux. Vous vous souvenez-vous de ça, M. Bérard? Ouais. Les fanaux? Oui, oui. C'était à l'île de Grange, je pense, les fanaux. Pour les bateaux, mon père il partait en chaloupe avec la rame, puis il allumait ça. Je pense que c'est l'île de Grâce. Ça servait de... Pour les bateaux, pour indiquer les bateaux. Ouais, de phare. Ça servait de phare. Il faisait ça tous les... Tous les jours. Puis il allait les éteindre le matin? Non, il couchait là. Ah, OK. Puis il s'en revenait le lendemain. Le lendemain soir, il retournait à l'allumer ça. Tout l'été? Oui, tout l'été. Puis l'hiver? Non. Ah, ben non, c'est bateau. Parce que les bateaux passaient, ben, dans ce temps-là, là, il n'y avait pas de brise glace. L'eau montait le printemps au point qu'une fois l'eau s'était rendue pas loin des lits, c'est ça, t'en as l'air. Oui, oui. Ouais. Dans les... À cause des embarques? Oui. Ben là, en déjà pas, oui. Moi, c'est à cause des embarques. C'était ça. Puis il était venu un coup de vent prolongé, hein, de l'est, qui avait retenu les glaces, puis ça avait fait monter. Van Nordet, s'il te plaît. Ouais. Est-ce que vous vous en souvenez? Oh non, ça c'est en 1800. Okay. Ben, non, ben oui, parce que nous autres, ben moi je me souviens pas de ça, là, mais ils me l'ont compté. Là. Mm-hmm. Il y avait de l'eau en bas de la maison, puis ben, les autres ils restaient au montant deuxième. Ben, dans ma grand-mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Puis, Mais vous, pendant votre enfance, vous étiez dans la zone inondable. Oui. C'est une maison qui était sur pilotis? Ou... Non, avait un salage. Avait un salage, puis oui. L'eau montait dans le cœur. Puis... Ah ben oui, ça me dérangeait pas. Ben, maman, elle a monté dans la maison en 47. En 76 ou 98, là, quand elle montait haute, là. Quand elle est venue haute, elle est venue dans la ville de Berthier, là. La 138, c'était... Ben moi, elle est venue dans la maison, parce que ma maison était à terre. Ouais. Il y avait un petit salage, mais la maison était plus basse. Mais après, on l'a remontée. Mais des gens montant leurs animaux au deuxième dans une étable. Oui, ça nous, moi je connais ça. Les gens d'ici nous disaient ça, que dans le rang du village, les gens montaient leurs animaux au deuxième étage. Comme les animaux dans les chambres. Parce qu'il y avait tellement d'eau dans les bâtiments, une autre a monté ça au deuxième, puis une autre n'était pas capable. Parce que parce qu'ils ont donné ordre de mettre les animaux dans les chambres. Puis soit il y a pour soigner les vaches, les chambres sont partis. Pas vrai! Oh mon Dieu Seigneur! Parce qu'on peut le rappeler, on me cherche sur les arbres. Mes animaux sur les arbres. Il y a pas d'autres bâtiments. Là, on va monter, on va venir jusqu'au village.
Vous avez eu connaissance de ça, vous, M. Bérard? Non, non, mais je t'en ai été raconté. Oui, c'est ça. Ouais. Si vous n'avez pas eu connaissance, nous autres non plus. Non. Parce que c'est ça, une vache, ça monte-tu des escaliers? Non. Allez, vous pouvez monter avec des palans. Je ne sais pas moi, c'est mon temps, mais j'ai en fait une montée. Ouais, il faut avoir une montée quelconque. Ouais, c'est ça, ça monte pas. Ouais. Pour le foin. C'est pas des vaches. Parce que ça monte, mais... après ça, les grandes fêtes du village, à la Saint-Jean, qu'est-ce qu'il y avait à la Saint-Jean quand vous étiez jeune? Mon père, lui, il a des repas. Il y avait des tambours là? La Saint-Jean-Baptiste, ça. C'est des chevaux qu'il faisait. Mm. C'était tiré par les chevaux. Mm. Puis là, mais, je me rappelle, moi, parce que mon petit frère, il a eu 76 ans samedi, il avait 5 ans, puis il avait un petit bouton, puis il était assis. Mm. Puis c'est lui qui avait le petit mouton. Il a fait le Saint-Jean-Baptiste. C'est une moyenne qui prenait. Si t'as quelque chose de simple, très simple. Généralement, les drôles du coin, là, ben, ils faisaient le show. Il y avait un autre, c'était des danseurs qui étaient là-dessus. Oui. Ah, OK. Ça a duré jusqu'en quelle année? Mon père avait une grande voiture, puis elle en a fait des parades assez souvent. Il a apprêté pour ça. Et puis, mon frère, il a 76 ans, puis il avait 6 ans, mais le temps, ça marchait. Ouais, on était bien jeunes. Ah oui, c'est pas. Surtout ça... la route nationale passait ici. C'est ça. Ça est là, ça. Chez M. Dumaine, aujourd'hui, c'est M. Ruiz qui reste là. Là. Dans la côte, là, il y avait toutes des motels, des. Des cabanes de 12 pieds par 15 pieds. Là. Okay. Ça, ça servait aux touristes pour se loger le soir. Il y avait un restaurant. Là. Puis M. Dumaine, il avait converti ça tout en cabane à poulet. Ah oui. Là, la mode était passée, si tu veux. C'est quand ça a descendu sur la 138, ben là, tout a tombé à l'eau. Ben, oui, même. J'ai une tante, moi, à Saint-Viateur, qui s'était fait sortir un permis d'alcool pour garder un hôtel, la femme de mon oncle Lionel, la mère Armande. Et puis, la belle-mère était contre ça, en maudit. Puis, dans la famille, là, il était resté un froid. Vous avez parlé de tombola. Oui, c'est quoi la définition de tombola? Je ne sais pas. Non, mais... Il y avait des kiosques, c'était juste en arrière de l'école. Là. Mm. Hein? Il y avait des kiosques, les gens. Pour moi, ça devait être une affaire semblable, un peu comme à Louisville, le sarrasin. Là. Oui, c'est ça. C'est un festival. Nous autres, t'as fait ça un tambour, mais c'était comme un festival. Les gens donnaient des choses qu'ils faisaient, c'est tout ça faisait à la maison. C'est ça. Il y avait des gens qui travaillaient le bois de façon assez. Oui. Des femmes étaient pareilles à la maison, ils faisaient des bois, des gilets, toutes sortes de lignes. Donc c'est comme aujourd'hui les artisans qui s'installent. C'est ça. C'était un peu comme ça. Ouais. Parce que moi je me souviens des tombeaux-là, mais je me souviens du nom. Je me souviens de l'ambiance, mais je me souviens pas ce qu'on y faisait. Ah. Les profits, ben, ça pouvait être, je sais pas, pour un école. Il y avait un gros bingo. Il y avait un bingo, là. Ouais. Puis il y en avait-tu des affaires, des chaudrons, tu gagnais un chaudron, hein? Ah, ben, mon Dieu. Ben, tout se faisait à la maison. Ben oui. T'avais les canards, t'avais t'avais toutes sortes d'affaires. L'habillement, il n'était pas question d'acheter du linge, j'avais pas de maudissant. Ben non. Même les chaussures, des cordonniers habiles, là, en faisant. Oui. Ben oui. Y avait-tu un cordonnier? Oui. Ben oui. Oui. À Saint-Barthélemy, on avait, je sais pas, deux cordonniers. Presque dans chaque rang, il y avait un maréchal ferrant qui appelle, là, un forgeron, pour réparer le métal pour les outils puis les ferrés chevaux. Il y avait deux, des fois trois médecins. Ouais. Trois curés. Ouais. Ben, c'est-à-dire, un curé, deux vicaires. Là, la compagnie, ça sent là. Ben oui. Dans ce temps-là, il était pêcheur, c'est vrai.
S'il n'y avait pas un enfant, à tous les ans, là, ouais, il ne donna pas la solution. Ouais. Alors, c'était quoi vos péchés? Oh mon Dieu! Bon, mais là, tu vis le confesseur, quoi. Il y avait combien de messes le dimanche d'abord? S'il y avait trois messes? Une basse messe, puis une grande messe. Puis deux. Deux messes. Deux le matin, deux. Une d'après-midi. Le midi. L'avant-midi, oui. L'après-midi, il y avait vêpres. Les vêpres. Sauf. Ah, oh, c'est-tu plate, ça, des rêves, hein? Mais moi, j'allais au couvent, fait que... Oh, mais autres, on est... On est allé dans ses rochers, fait qu'on s'en sauvait de ça. Mais quand j'étais au fleuve, là, j'en venais pas au, au verre, puis là... Après mon, ça, père, mon père, il a de la pomme, il est au verre. Pour les deux enfants. Il a de la messe, mais quand même... Dans les enfants de Marie, puis dans le Saint-Anne, puis si tu voudras, là. Ça durait combien de temps, les verres? Oh, vous direz... Trois quarts d'heure, là? Trois quarts d'heure. Mais c'est parce que, ici, le centre communautaire, c'est un couvent. Il y avait des religieux ici, tout. Ah, c'est un couvent ici. Mais pour les mères, ça, pour aider les parents, pour aider à inciter les enfants à y aller un peu. Et des fois, ils lui promettent, puis c'était la récompense de la semaine, un cornet à 500. Ben oui. Un cornet à 500, tu n'avais... Tu avais tout un cornet. Bon. Je vis tôt. Hein? Puis est-ce que vous appeliez ça des cornets à 5 sous? Oui. Des cornets? Oui. Oui, pour moi, c'était le nom. Oui, cornets de crème glacée. C'est parce qu'à Vanneray, ils m'ont sorti un nom que j'avais jamais entendu. Ah, ça, oui? Ils n'appelaient pas ça des cornets. Ah. Je te souviens-tu? Non, c'est un nom bizarre. Ah. Mais ça a gardé son nom. Ah oui. Mais il est plus coûteux. Oui. Puis 5 sous, t'as juste le cornet. Oui, même pas, je pense. Même pas, je pense. Qu'il n'y a pas de crème glacée dedans. Et Pâques, si on parlait de Pâques, la fête de Pâques, le carême et la fête de Pâques. La fête de Pâques. Ben le dimanche des rameaux, si tu veux, une semaine avant. Là, nos parents, ils n'achetaient pas les palmes, ça coûtait trop cher. Ils allaient dans le bord du bois, ils cassaient une épinette, une branche d'épinette, puis les branches. Et puis, ils allaient attacher une branche d'épinette dans chaque construction qu'il y avait. Ça, c'était pour le tonnerre et toutes les malheurs. Hein? Ça, mon père a tout fait ça. Ah oui? Oui. Ça, moi. Mais je sais que moi, c'est mon oncle Brod qui nous emmenait des épinettes. Mais lui, il restait à Saint-Rochin. Mm-hmm. Il nous emmenait un bouquet d'épinettes, là, puis il nous le donnait. Oh. On venait le, à part, ben, le dimanche des rameaux, on venait le faire bénir. Oui, c'est ça, il fallait les faire bénir. Ah, ben, oui, il fallait que tu sois présent. Ah oui. Okay. Puis là, tu l'emmènes à l'église, ton affaire. Ton béni. Ton bouquet de branches d'épinettes, tu le faisais bénir. Oui. Après ça, on l'a emmené chez nous. Mon papa mettait un peu dans l'étable, un peu dans la grange, un peu dans l'hangar. Ah, ben c'est ça. Il y avait plusieurs rameaux, ben oui. Tu attaches ensemble. Ben oui, tu attaches ensemble. Puis là, il en mettait un dans chaque construction. Ah, oui. Fait que c'est ce qu'il y Puis regarde, dans ce temps-là, il n'y avait pas le droit d'avoir de service dans la semaine sainte. Mon père est mort, mais le mort du 5 au soir, subitement. Il y a eu un libéré après l'office du vendredi saint, ça c'est en 70. Après l'office du vendredi saint, là, il y a eu un libéré. On a été l'enterrer. Puis le lundi Pâques, il y a eu son service. Puis mettant grande affaire noire au milieu de l'année, là, ça fait d'allure. Avec des grands bandes noires. Puis la décoration de l'église, le funérail, c'était pas drôle, chose, hein? Ça. Toutes les draperies, la toutes patente les dans le milieu, comment s'appelait les... ça, le... Pas quatre affaires. Un catapelle. Tu sais, la patente, là, il rentrait le cercueil là-dedans, là, pour le temps du service, là. Quand elle allait au catcher, c'est ça, il y a ça, cette affaire. C'est catafalque, tu sais. Il y avait une croix au milieu de ça. Là. Il rentrait sur le cœur de la paix après la messe. Mais le bédou, il fallait qu'il installe tout ça, cette affaire-là. Des draperies qui partaient des colonnes qui montaient. Ah oui, il y avait un crochet de mais il y avait une grande affaire, vous l'accrochez ça où? C'était réellement imposant, si tu n'avais pas peur de la mort. Là, après, tu avais. Oui, là, tu avais peur à maudit. Est-ce que vous avez connu la veille aux morts dans la maison? Ben oui. Oui. Mais mon père est mort dans la maison chez nous. Puis la veillée s'est faite dans la maison? Ma grand-mère? Non, ma grand-mère fait pas. La mère de mon père, moi j'avais 12 ans, là on est 80. Puis elle était exposée dans sa maison,
Puis là, celui qui l'a baumé, il y a Saint-Culbert, c'était Narcisse Fafard, ta petit cousin, avec une voiture et des chevaux. Oui. Avant 76 ans. Puis c'était comment l'ambiance de ces veillées-là? Ah, oh, mais donc, ils donnaient pas après, là, il y avait des sandwichs puis tout. Là, ça se comptait des histoires. Là, puis, et ils partaient les minuits, là, là, puis ils restaient juste sa famille, là, ils couchaient, puis le lendemain, c'était trois jours, ça, qui était là. Il n'y avait pas 108, on était dans mon rêve. Je me souviens de ça. Parce qu'on était des folies toute la nuit. Ben, c'est ça, ça comptait des niaiseries. Fait que c'était plus une fête? Ben, ouais, c'était quasiment une fête. Là. Mais ça devait être des fêtes. Peut-être pas pour les proches-proches, là, là, mais okay. Ceux qui venaient passer la nuit. La nuit, là. Ils venaient passer la nuit. Dans des morts. Là, ben, on le faisait manger. Ben oui. On avait ce qu'il faisait des fesses. Hein. Il y a une histoire qui pouvait être plate. En temps normal, c'est pas drôle. Ouais, quand rien qu'autre chose de bien simple. Ouais. Un pet en public, c'est pas grand-chose, mais là, ouais. Là, ça prenait de l'heure. T'as pas grand-chose, mais le monde gagnait pas grand-chose. Y'avait-tu un petit peu d'alcool qui se buvait pendant les veillées aux morts? Ça, c'est secret. Ça devait être selon les familles. Si le lâche, les autres l'apportent en feu, ils ont pas d'alcool. Ça, là, ouais. T'as pas fourni, mais pour non. Ouais, pas de C'est ce qu'il en faisait. Mais je sais que mon père, s'il faisait des veillées l'hiver, à tous les samedis, puis tous les jeunes, ils se ramassaient chez nous une semaine, une autre semaine, ils allaient ailleurs. Puis les pieds à l'or, ils jouaient du violon, l'autre accordéon, fait que l'autre était en train de temps. Là. Ils voulaient pas nous voir là-bas, puis il y avait un trou, puis on les regardait faire par le trou en haut. Là. Ils faisaient de la bière. Il y avait des patates. Le fort était plus en mode que oui, la bière. Mais du fort, à minute qu'il a commencé à avoir du fort, là, ça tombait à l'eau, ça. La bière, oui. Je sais que mon père, moi. Mais la bière, c'est ça, la bière qu'il faisait à la maison. Okay. Je sais pas. Tous les automnes, il passait. Il y avait des patates. Il y avait un commerçant de viande qui passait, oui. La petite boîte rouge. Oui, la petite boîte rouge. Il était commerçant d'autre chose aussi. Il prenait les commandes. Ah oui, c'est ça. Puis ben c'était oui. Le jour, tout à l'heure, ça c'était dans la nuit, là. Ouais. Il dit, m'a passé. Il achetait un gallon d'esprit, qu'il appelait. Ouais. Ça, c'était à 95%. Il pouvait multiplier ça par 4. Ah, hein. Ouais. Et puis c'était la boisson pour l'année, ça. Ouais. Ah oui. Ça, votre père en achetait, puis, ouais, puis il coupait ça. C'était pour les grandes occasions. Ouais. Quand il faisait boucherie l'automne, là, il se réunissait à 5-6. Il y en a un qui savait saigner cochon. Un autre organisait le feu, un autre avait le bac là, pour les ébouillanter, ouais. Tout le fou. Puis il faisait ça toute la journée. Rendu au soir, il y en a qui grattaient le cochon avec le dos du couteau. Mais, ça, ben oui, mais il est invité après, hein. Viens faire un tour à la maison. Ben oui, ben c'est ça. Un autre va faire un tour à la maison, un autre va faire ça. Rendu à 5-6 tours à la maison, là. Oh boy! Une chance que le cheval savait où il restait. Le cheval, lui, savait où il allait. Si tu sens la vache faim par rapport à une auto, il ramenait toujours son mec chez lui. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Bérard? Qu'est-ce que vous dites, là? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Qu'est-ce que vous dites, là? De toute façon, c'est de l'alcool pour l'été. Oui. C'est pas de l'alcool que je fais à la commission. Non. Mais est-ce que vous en avez connu des gens qui faisaient de l'alcool? Ah ouais, on l'a connu. On savait vraiment l'endroit où, mais on savait qui. Oui. Mais de là, le pincé, ça va bien être affaire. Oui, de là, le pincé, hein? Oui, mais... Ah, vous savez, c'était qui? C'était bien. La police. Ah, OK. Mais ça se faisait pas dans la cabane à sucre, ça? Ben, j'ai toujours pensé que... Non. Il y en a qui l'ont fait sur des étables, le sang, même la côte. Ben, dans la cave chez eux. OK. C'est-tu difficile à faire? Mais non, ah, il faisait réduire de l'eau, là, puis c'était la vapeur de l'eau, hein. C'est, en tout cas, quelque chose de même. Non, vous n'avez pas fait. Non. Moi, non. Mais apparemment, c'était... Donc, il faisait du vin, aussi. La possibilité de ne pas se faire prendre. Ouais, c'était ça qui comptait. Ouais. Je sais que dans la région de Louisville, il y a un type, un bon coup, que il s'était fait prendre, lui. C'était les cochons du voisin qui l'avaient fait prendre.
Il faisait ça dans le bord d'une côte, le résiduel prenait à couler, tu sais. Ah, bah oui. Puis un bon coup, il y avait un gars plus loin en bas, il y avait des cochons. Fait que ces cochons, un bon matin, se sont trouvés malades. Sous! Les quatre pattes en l'air, il fallait venir le vétérinaire, parce que les cochons, ça, ça va pas. Ces cochons, ils sont sous. Ils sont sous. Fait que. La poignée, ça a été aux oreilles de la poignée. Ils ont embarqué dans le décor, puis ils l'ont ramassé. Puis la madame nous l'avait dit, elle dit si on n'avait plus marché, six mois, on aurait été bien riche. Ah oui, la taxe, c'est plus. Ben, ils fabriquaient bien mieux marché que. Ben oui, c'est sûr. Puis, est-ce que vous vous souvenez de l'ours à Saint-Barthélemy? Non. De? L'ours. Non. Vous n'avez jamais eu d'ours à Saint-Barthélemy? Des ours? Ben oui, il y en a eu, certains. Oui, ben dans haut. Dans haut, nous autres, en bas, non. Il n'y en a jamais eu un qui est descendu au village? Je ne sais pas. Moi, à ma connaissance. À ma connaissance, ça nous a été compté. Oui. Ah, il y en avait un qui avait descendu? Le sais-tu? Oui. Hein? Ben c'est une madame. Il y en a un qui avait descendu au village? Un ours? Oh, c'est ça qu'on m'a demandé? Oui. Ah, ben j'ai mal répondu. Puis à Saint-Culbert, il y en a déjà eu, ça, par exemple, parce que le monsieur, il l'avait tué, puis il avait vendu la viande d'ours. Puis il paraîtrait que c'était très bon. Ah ouais? Mais chez nous, il n'y avait pas d'entendre ici. Mon oncle. Mais je sais que mon oncle, le bras d'adulteur, il est resté à Saint-Joachim, là. Mm-hmm. À un moment donné, ils ont été prendre une mèche, mon oncle et ma tante, puis il y avait une mère ours avec ses petits bébés. Ah. Oh boy! Oh boy! Ils ont eu peur en tabarnouche. Ah, il y a ce montant, une chance, il y avait des bio, là. Se sont cachés en arrière des bio. Il y avait eu peur en Moses. Ah, ils ont été dans le bois Saint-Joachim. Ouais. Un mille dans les hauts, ouais, c'est pas de même. Alors, c'est presque terminé. Faudrait qu'on passe à travers les objets de Madame Michaud. Madame Michaud. Pourriez-vous ouvrir vos boîtes? Des cerceaux pour faire des. Mais oui, pour broder. C'est pour broder. Ma mère a ma cerceau. Mm. En bois même. Il y a un fume pas un fume cigarette, mais un porte-cigarette. Un porte-cigarette, ça c'est. Et un cendrier. Mon mari était à 1902, puis il a eu ça, il y avait 19 heures. Ah oh, mon Dieu. Vous souvenez-vous de l'époque où ça fumait partout? Ben oui. Ah oui. Ah, mon père fumait. Hein. Ça fumait dans la maison, le soir, il veillait du bout de l'an, là. Oh, la maison était en boucané, là. Les boîtes de cigares qui viennent des États. Avec toutes des affaires de couture là-dedans. Les contours, les petites rayes. Parlant de couture, les manufactures de couture, il y en a eu dans presque tous les villages. Les premiers galons qui ont existé. Ah mon Dieu, il y en a deux grosses, c'est votre ennemi. Ben, c'est pas hier, c'est ça, les vieilles affaires dedans. Encore, pourriez-vous le dérouler encore? Voulez-vous le dérouler encore? Là? Il y en a. Il va pas plus loin. Ah, okay. Regardons ça. Je pensais que c'était la couturière en vous qui était capable de dire j'arrive à 36. Et après celui-là, c'est ça qu'ils ont eu. Ah oui, c'est ça. C'est comme du carton. Comme du carton. Ben là, c'est. Ils sont plus longs, là. Puis il y avait la verge de bois. Les ciseaux à dents, oui. La grande verge de bois. Ça, mon père, il faisait les cheveux, les ciseaux. Les peignes à chapeau. On avait des chapeaux. Fait que tout ça, c'était de la laine, c'était le temps de ma mère. Tout là. C'est moi qui ai eu le moulin à côté, tout était là-dedans. Ça, c'était la petite rayes pour mesurer. Pour mesurer les pieds. C'était un compas. Quand il piquait du couvre-pied, là, il piquait ça, là, puis il faisait. Ah, OK. C'est tout des accessoires de moulin à coude. Les moulins à coude de maison, pas une autre maison qui regarde dans le seigneur. Je pense qu'il n'existait pas d'autre sorte de machine à coudre. Non, ça, je pense que non. Ça, c'est des petites londues, là, quand je travaillais à couture en 71. Là. Regarde des photos là-dedans. C'est-tu vous? Ben oui. Oui, c'est moi. Ils sont venus, je pense, c'est 5 ou 6 ans de temps qu'ils sont venus. Combien ils vendaient ça, ces petits objets-là? C'est une pièce, je pense. Une pièce par affaire, c'est 2 pièces.
Mais si, dans ces années-là, on ne gagnait pas de pièce de l'or encore. C'est ça, c'est cher. Ben, je me suis mariée, moi, en 66, puis la dernière année, je suis venue sur 77. Puis on était à 95 cents de l'or. Quand j'ai commencé, là, moi, les années 52, 53, 33 cents de l'or. Je ne suis pas sûre, c'est cher. Moi, j'ai commencé à travailler en 73. Le salaire minimum était à 1,65. Ah ouais, mais l'autre, t'as loin de ça. Bien, moi, j'ai commencé à 25 cents de l'or. Puis les rentes ont commencé en 66. On commence à payer des rentes en 66. Parce qu'il y avait les deux du village, mais il y en avait une au fleur aussi, j'en ai dedans. Moi, en 49, j'allais casser du tabac à Saint-Thomas. Ça, c'est naudé. Pour 5 piastres. Pas pied droit. 5 piastres par jour. Pour la journée de... Ben oui. C'est-à-dire que c'était 6 piastres, il nous restait 5 piastres. Il fallait donner une piastre au taxi. On n'avait pas d'auto, ça, c'était de 6 heures du matin, puis le soir, il n'y avait pas de limite. Jusqu'à 9 heures. Ah oui. Tout trempe, gommé, le tabac, je ne sais pas. Oui, j'ai travaillé au tabac. Ouais. Puis ici, les cultures, c'était quoi? Mais dans le temps, c'était des animaux. Il y avait des vaches à toutes les terres, le type avant les vaches. Aujourd'hui, Laurent York, là, de Masquinongé, allé à Saint-Hubert, il y a 4 laitiers seulement. Au fleuve, il y en a plus. Puis dans le Saint-Hauve, il en reste. Il vend. Chez vous? Chez vous? Puis il vend Barrette? Il vend. Ouais, puis on sait. Ah oui, c'est vrai. Chez vous avez encore des vaches? Moi, je n'ai plus, mais, non, mais ça continue. Vous avez combien? Dans 60 ans. Oh, c'est petit aujourd'hui, 60 ans. C'est petit, 60 ans? Ah ouais. Ah, pas mal, quand on avait 6, quand on était plus grand. Oui, on avait 6. Sur ce groupe. Ah oui. On transfère ça, le grand travail avec les autres, 7e génération. C'est pas possible. Parce qu'il couvre, puis il veut le petit gars. J'ai dit, m'enverre-toi un peu. C'est pas grand. Il y a du grand-père dans le nez. Je sais pas de qui ça tient. Moi, j'ai dit que ça devait. Du métier. Les ans, oui. C'est accaparant. C'est 7 jours par semaine. Pour les congés, il faut que tu t'engages quelqu'un. Dans le temps, par qui ça pourrait être un mois et demi. Il y a des longues journées. Oui, certaines journées sont longues. Par contre, il y en a d'autres. C'est comme ton père, peut-être. Puis l'hiver, bon, tu vas avec ta mère? Oui. L'hiver, il y a du bon temps aussi. Bien, aujourd'hui, mais dans le temps, il faudrait faire le bois pour la cabane, faire le bois pour les maisons. Ben, c'est bon, hein? Bien sûr, on avait toujours une construction à faire. On allait bûcher le bois, on faisait bio, les longueurs qu'il fallait, puis il fallait aller les faire ici. Okay. Il y avait un moulin ici, en arrière, là. Mm-hmm. En haut, bien, il y avait... Monsieur Maréchal, il y avait Dufresne, le père d'André. Charlot. Charlot, oui. Ah, c'est ça que je cherchais. Mais aujourd'hui, ils ont des petits moulins pour ça. Que ils font ça. Comment ça coûte dans le temps? Ah oui, donnez-nous quelques prix. Ça vaut la peine. Tu peux les lire, ça vaut la peine. Comment ça coûtait le temps? Ah bon. Ça, c'est en 67. Moi, j'ai pas mes lunettes. Ah! Une bouteille d'aspirine, 59 cents. Un essuie-tout Vivo, 55 cents. Quatre papiers de toilette d'LC, 69 cents. Un oxydol gros, 97 cents. Savon liquide, 1085. Un Kleenex, grand format, 37 cents. Un riz denté, 2 livres, 47 cents. Un vermicelle tourné, 25 cents. Un fromage craft tranché, 83 cents. Un livre de tomates, 35 cents. Trois liqueurs, crème soda, noix, 56 cents. Un livre d'oignons, 16 cents. Un livre de ballonné, 50 cents. Un livre de poulet pressé, 69 cents. Un frais, une boîte de fraises à tête, vachon, 56 cents. Un gros chip, un petit, 69 cents. 5 chips à 5 cents, 25 cents. Un mayonnaise moyen, 46 cents. Ouais. Fait que ça, c'est. En tout cas, dit ça, j'arrive à 9 piastres, c'est 87, 88. Ouais. Puis t'en commandes, ça, pour faire.
Votre premier auto, vous l'avez payé combien? 2 000 $. Alors, c'est tout. Ouais, je vais prendre quelques petites photos. Oui, fait qu'on peut continuer à parler. Alors, M. Bérard, ici, ils disent que vous êtes un homme... Attends une minute. Où j'ai vu ça? Son hyperactivité. D'une étonnante vivacité. Un phénomène. Est tout un phénomène. Pourquoi vous êtes un phénomène? C'est pas moi de dire ça. Hein? Bon, le fait d'être présent ici, là, oui. c'est à l'ombre, là. Oui. Quand même, il y a peut-être quelques problèmes. Mais, c'est bien correct. C'est parce qu'il est tombé, là, parce qu'il est... Il est tombé, puis là, on va aller aussi. Oh, c'est sûr, mais ben, il fait rien. Moi, je prétends que c'est sûr. Pas assez. Assis dans la maison, hein? Tu gagnes rien, hein? Non.